Bon, du coup, on va directement regarder l'épisode. Bah, malheureusement, du coup, vous aurez pas de son. Je m'excuse. Je pense que je vais vous mettre un petit truc en fond, vite fait. Parce que sinon, bon, c'est pas ouf à regarder. Et bah, j'espère que ça va vous plaire. Bon, par contre, moi, j'aime pas skip les openings et tout, mais là, je vais le faire, du coup, parce que. Bah, ça sert à rien. Vous aurez même pas le son, vous aurez rien. Non, je suis quand même obligé de d'avancer l'opening. Ah, quoique. C'est nouveau l'opening? Je regarde. Attendez. Ah, je crois que c'est un nouvel opening, si je dis pas de la merde. Attendez. Non, c'est un nouvel opening. Non, je vous mets le son. Je vous mets le son direct. Attendez. Je vous mets que pour l'opening et au pire, je cut. Je cut au montage, au pire. Si je vois que c'est. Que ça. Que c'est. Que... J'arrive pas à parler. Hein. Il y a des droits d'auteur. Au pire, je vais cut et voilà. Mais ah, ça fait. Je sais, j'étais même pas au courant. On m'a dit épisode et tout est bien. J'ai jamais entendu parler d'opening. Ok. Par contre, pas sûr que c'est un opening. À tout le monde, j'ai de la merde. Non, on dirait pas un opening. Je sais pas. Très stylé, Oden. Luffy, oh là là. Ah mais non, c'est pas du tout un opening. Je sais pas ce que c'est, mais très très stylé en tout cas. Attendez quoi? Oh là là! Non! Non mais what? Quoi? Oh! C'est incroyable! Wow! Incroyable! Attendez, vous avez vu ça? Mais c'est. Je vous jure, vous vous rendez pas compte comment je kiffe One Piece. En fait, déjà le nouvel ending qu'on a eu, je trouvais ça tellement original pour du One Piece. Genre, ça faisait pas du tout One Piece, mais j'ai. Mais là, ça fait encore moins One Piece, mais ça fait. J'ai pas l'impression de regarder One Piece, mais je. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est incroyable, regardez-moi ça. Je remets, hein. Regardez, c'est même, on dirait pas du tout l'animation de One Piece. Regardez, mais, oh là, mais la toile, mais c'est incroyable. Non. La musique, oh là là. C'est trop. Non, mais c'est vraiment incroyable. Mais c'est incroyable. On se rend pas compte. Ah là là, ils se sont améliorés, hein. Du coup, je sais pas si je dois prendre ça comme un opening, mais ou un petit récapitulatif. Oh là là, incroyable. Le petit Luffy là qui se balade, Luffy Gear 5. Mais c'est, on se rend pas compte, hein. Genre, on se rend pas compte parce qu'on n'a jamais eu un truc d'une aussi bonne qualité. Mais du coup, je ne saurais pas dire si c'est un opening, si c'est juste une introduction, ou si c'est pour montrer que c'est la fin de Wano. Parce que là, ils nous ont mis des scènes. Ils ont mis des scènes qu'on n'a pas encore eues. Hein. Bon, on se rend vraiment pas compte de. Putain, mais. À toi, franchement, jamais j'aurais pu imaginer qu'ils fassent un truc aussi bien. Si je sais qu'ils en avaient les moyens, etc. On se rend pas compte. Hein. Bon, du coup, là, par contre, je vais devoir couper le son de la vidéo, malheureusement. Franchement, ça me fait vraiment mal au cœur. Vraiment, ça me fait extrêmement mal au cœur de couper le son pour ça. Mais vraiment, je suis obligé parce que sinon, après, ça se fait bloquer et tout.
Juste, attendez, je vais quand même là mettre une pause à la vidéo. Enfin, du coup, vous, ce sera instantané. Juste, je vais quand même vérifier les gens qui réactent, ils font comment exactement. Parce que ça se trouve, eux, ils ont le son et je raconte de la merde. Donc, quand même, au cas où, je vais aller checker ça 2 secondes et voilà. Bonjour et voilà. Bon, alors, j'ai cherché et du coup, bah, je pense que je devrais juste mettre un filtre. Mais la dernière fois, j'avais essayé de faire ça. Il me semble que j'avais essayé de faire ça, mais ça n'avait pas trop marché. Peut-être que j'ai pas mis un bon filtre qui cachait pas assez. Donc je vais quand même essayer de. Comme essayer de bien faire. Mais bon. Donc là, vous aurez sûrement un filtre, mais j'ai peur que la vidéo ne sorte pas. Ça me ferait de la peine parce que ça fera quand même tous les épisodes du Guerre 5 et j'en aurais même pas publié un. Non, franchement, ce serait dommage. Mais en tout cas, je vais essayer de mettre un filtre. Et au pire, je vais essayer de faire plein, plein, plein de cuts et je pense que ça devrait passer. En bref, du coup, bah, je vais continuer la vidéo. Parce que je me dis quand même, je dois réagir avec le son. Sinon, moi, je trouve ça quand même ennuyant. Enfin, je pense que ça doit être vraiment ennuyant à regarder sans son. Donc bon, quand même, je vais mettre le son. Et au pire, je pense que je vais quand même trouver une technique. Bon, bref, je parle trop. On va réagir à l'épisode. On m'a dit que des bonnes choses. Déjà, ce que j'ai vu du début, je suis hypé. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas été hypé comme ça pour un épisode de One Piece. Ça fait très, très longtemps. Bon, on va quand même regarder récapitulatif. Et ceux qui regardent là, skippez si vous voulez, hein. Juste moi j'aime bien regarder à chaque fois le début. Je suis bizarre mais j'aime bien quand même me remettre dans le truc. Vous pouvez skipper, hein. Pas de soucis. Eh mais je sais pas si vous vous en souvenez dans le manga, comment c'est. Je pense dans l'anime aussi, du coup, c'est même pire, ça se trouve. Le combat là de lui, là, le ninja, j'ai oublié comment il s'appelle, contre là, le gars aux grandes oreilles. Oh, comment ça m'avait saoulé. On était là, on avait le Gear 5, juste après, on avait ce ninja de merde qui combattait. Je jure, oh, comment j'ai. Je jure, moi, j'ai vraiment. J'étais là quand je voyais ça, j'étais énervé, vraiment. Juste à côté on avait des chapitres où il y avait Luffy en Gear 5, il faisait de la corde à steak Kaido, hop d'un coup épisode d'après on avait les. Cet enfoiré là. Quand même c'est un bon. Ah c'est Raizo. C'est Raizo il me semble. Eh, ça fait longtemps mais. Ouais. Ah non c'est Raizo, c'est Raizo. Ok. Donc comme ça on va skip parce que là je. Ah non. Ok. Ok. On est déjà au coup fatal. Attendez. Enfin, le gros coup de poing. Attendez, on est déjà là. Ah, je pensais pas. Hein. Je pense peut-être qu'il y a le flashback de Kaido avant. Je sais pas, j'ai oublié, il est où dans. Et à quel moment? Bah, il est à ce moment-là le flashback de Kaido. Je sais pas si on aura le flashback de Kaido. Je m'attends à un truc de ouf. Hein. Du coup, Momo, il doit porter l'île. Ah ouais.
Momonosuke. Kinemon tachi to tomo ni yuki. 20 nen go no mirai de kitto Kozuki ke o saikou suru no desu. Muri de gozaru. もっとお辛いのは母君にござる。 侍の国、恥は命に値する国。女子が覚悟を口にしたのに、男が口答えするなど、赤っ恥でございますぞ。 Il y a un truc que les gens reprochent, et c'est vrai, c'est que peut-être le rythme de l'anime, il est pas... C'est vrai que ça fait pas... Enfin, je sais pas, ouais, c'est un peu lent. Genre, par exemple, dans un autre anime, on aurait peut-être pas eu... Parce que je pense au flashback, on l'a eu facile une dizaine de fois. Hein. Enfin, pas, peut-être pas aussi précis. Ouais, moi, j'ai pas trop suivi l'anime de Wano. Mais il y a souvent, dans One Piece, des... trop de récapitulatifs. C'est pas que c'est chiant, parce que moi, ça me déplaît pas, mais c'est vrai que ça enlève un peu. Genre là, juste avant, je pensais au Gear 5, maintenant, ça me refait penser à ODN et tout. Genre, ça change directement. Et c'est bizarre. C'est pas mauvais, mais ça peut être chiant quand même. Mais franchement, c'est vraiment des bonhommes, les fours rouges. Sauf lui, là, le traître là-bas, là. On voit même pas sa tête. Est-ce qu'il y pleure l'autre? Thank you.
Voilà. Oh là là, c'est bon. C'est bon. Hein? Oh, l'animation. C'est quoi cette animation? Oh! Oh, c'est là, c'est quoi ça? Eh, mais c'est vraiment. Putain, on se rend pas compte si. Eh, mais. Oh là, mais c'est incroyable. Hein. Putain, on a de la chance hein, de voir ça. Oh la musique, oh là, oh mais j'avais oublié cette musique. Mais c'est l'OST de Kaido là, incroyable celle-là. Ils l'ont mis au bon moment. Hein. S'accroche au nuage. Incroyable. C'est incroyable. Il va parler de Roger là. Je sais plus si c'est cette case. Parce qu'à un moment il disait oui, c'est le haki fait tout. T'es déjà passé cette scène, j'ai oublié. Ah bah oui, c'est là. Mais franchement, je sais même pas quoi dire, c'est incroyable. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Incroyable. Franchement, ils se sont surpassés la Toei là. Ça fait plaisir. Parce qu'avec des épisodes où il y a de la 3D bizarre, au moins ils ont pas tenté de trucs bizarres. On met de la 3D sur Luffy. Non. Ils ont fait un truc simple, efficace, bien visuellement. Tout, y a tout qui va bien. OST sont bien. Tout est bien.
Voilà, je demandais que ça, moi, pour One Piece. Ah mais attends, du coup elle son père est mort et lui son fils est mort du coup. Ah mais merde, je suis con. Allez, c'est tombé, j'ai spoilé un truc là. Allez, c'est tombé. Ceux qui savent pas, donc je vais rien dire, non, je suis fou. Moi. Allez, vraiment laissez tomber. Laissez tomber. Incroyable le petit fond là comme ça. Et B. Ah, il le chope par le callback. Il saigne et tout. Ah mais il saoule lui, vas-y, il meurt. カイドウを打ち倒せば
あいつら楽しく生きていけねえ。ありがてえな。いい国になるだろうな。行かれてんのかサムライども。ここにいる全員死ぬんだぞ。それでいいじゃねえか。もう麦わらさん、カイドウを存分にぶちのめしてくれ。 Respect. C'est vrai qu'il était quand même un peu décevant dans cet arc, Usopp. J'avais oublié ça. Moi, j'ai trouvé un peu décevant. Surtout, à un moment, il croyait pas en la victoire de Luffy et tout. Après, ça reste Usopp, donc bon. C'est vrai qu'on peut ça. Les droits d'auteur, j'en parlais. Mais franchement, aussi, l'ending est incroyable. C'est comme... je sais pas si on appelle ça un opening ou pas. Aucune idée. Mais du coup, là, les deux, franchement, pas mal, hein. On va vite faire regarder, après, juste ça, là. の支配によって奪われた人々の暮らし、愛する者の命、悲しむことすら許されず、心は自由を欲する。願いを集めて輝くギアフィフス。その笑顔は夜明けの兆し。次回ワンピース20年の祈り、和の国を取り戻せ。海賊王に俺はなる。 Simplement incroyable. Et aussi, je tenais à rajouter. En fait, on se rend pas compte aussi, même la fin de Wano, ce qu'on aura, c'est incroyable. On aura aussi l'arrivée de Shanks et tout. Oh là là, on n'est pas prêt. Hein. On n'est pas prêt. Hein. Vraiment, on n'est pas prêt. Bref, en tout cas, épisode vraiment pas. Enfin, vraiment incroyable, hein, l'épisode. Moi, je m'attendais à une animation beaucoup plus... Enfin, je savais que ça allait être une bonne animation, mais je pensais pas autant. Hein. Parce que là, je pense qu'il y a très peu d'animés qui rivalisent avec cette animation, voire aucun animé. Mais j'hésite à dire que c'est peut-être pas la meilleure animation, parce que... En gros, on voit que dans des scènes, ils font... Je pense qu'ils ont une des meilleures animations, tout anime confondu. Mais, globalement, il y a des scènes où ils s'en fichent un peu. Alors que, par exemple, quel animé ? SNK, par exemple, eux, si vous avez remarqué, c'est tout le temps une bonne animation. Tout le temps, tout le temps. Même quand il n'y a pas une scène spéciale où il y a du combat, etc. Enfin bref, du coup, bon, je sais pas pour critiquer, hein, parce que moi, vas-y, je veux créer l'animation, franchement, honnêtement, là, je m'attendais pas à une animation aussi bien. Pour moi, aussi bien que le Mi 72, est peut-être meilleur. Ouais, non, elle est meilleure, elle est meilleure. Bref. J'espère que ça vous a plu, et aussi j'espère que la vidéo a pas duré beaucoup de temps. Là, je vois pas, ça dure combien de temps. Ah, c'est quand même 27 minutes. Plus j'ai fait une petite intro vite fait. Ah, quand même, ce sera peut-être une vidéo de 30 minutes. Mais comme je vous ai dit, tout ce qui est droit d'auteur, etc., je vais sûrement faire des cuts. Du coup, ce sera une vidéo beaucoup moins longue. Donc, ça va en vrai. Bref, du coup, bah, je vous laisse ici. Bonne soirée, bonne journée, et voilà.